Siege Arkship! Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je retourne pour une petite vidéo présentation donc, du nouveau DLC de Total War Warhammer 2, The Shadow and the Blade, donc l'ombre et la lame. Donc je vais passer déjà le trailer, mais on va commenter un petit peu les nouvelles unités qui nous attendent. Donc ce DLC pour commencer va annoncer l'arrivée de un nouveau seigneur elfe noir et un nouveau seigneur Skaven. Donc voilà la petite bataille qu'il y a entre des Skaven qui envahissent une forteresse elfe noire de Loki. Alors déjà on commence, on voit un nouveau type d'unité en action, une espèce d'unité foreuse avec de la magie. Voilà, la portée de bête s'applique. Deuxième unité qui montre sa présence, des espèces de mortiers avec des globes à poison, donc ça ressemble un peu aux globadia poison qui étaient présents déjà dans le jeu, qui pouvaient être anti-infanterie ou anti-large selon les circonstances. Et là on a des mortiers, donc à mon avis ça va une longue portée, peut-être de l'anti-infanterie, qui sait, ou peut-être s'il y a un régiment de renom, ça sera peut-être pour lui, à voir. Et ça tire dans le tas. Et là, apparition du premier héros, Malus Darkblade. Donc le tyran de c'est Agrong ou Agareth, à chaque fois je me plante, il s'agit de Agareth, voilà. Donc une forteresse elfe noire, donc un héros assez puissant au corps à corps et très badass. Même si des fois sa loyauté est assez douteuse, hein, disons-nous. Une nouvelle unité qui apparaît à Agareth, une espèce de méduse, donc pétrification et tout ça, donc elle est assez titanesque. Donc là on voit une nouvelle apparition donc qui parle de Darkblade, donc là on va savoir un petit peu plus après. Donc il lui a dit tais-toi démon, donc en gros ça veut dire que c'est quelque chose qui est en lien avec lui. Donc pour faire simple, il s'agit d'un démon que Darkblade a récupéré, donc a libéré à son insu, si on peut dire ça comme ça, de ce que j'ai compris dans l'histoire du lore. Il s'agit du démon le brûleur de monde ou le dévoreur de monde, Tsarkhan. Donc là il tient une espèce de potion, donc à mon avis c'est une potion qui doit libérer le démon. Donc si je me souviens bien dans le lore, c'était une potion qui permet à Darkblade de s'endormir. Donc lui, Darkblade, s'il veut pas que le démon s'éveille, il doit rester à tout prix éveillé, de ce que j'ai compris. Donc là on a une espèce d'unité d'assassin, là c'est pas encore le héros Skaven, je crois pas. On a une nouvelle unité donc avec un bouclier, je pense que c'est un maître des bêtes. Donc anti-large, ce serait logique, vu son truc et son bouclier. Donc c'est une espèce de... Il a une halbarde à la Nagaronde, mais ça sera peut-être un général ou un héros. Les méduses, elles se font découper. Là, on a des triadéchines, donc je pensais que c'était des vermines de choc au début, mais ça se voit que c'est des... Vu l'armure légère, ça doit être une sorte d'unité pour l'assassinat, un truc comme ça. Et d'ailleurs, elle a une lame empoisonnée, donc ce qui risque de faire très mal pour les attaques de flanc, particulièrement, en particulier. Voilà, donc Tsarkhan,
face à Dark Blade, donc les deux parties. Donc on pourrait dire qu'il est un peu il est un petit peu comment dire, schizophrène, notre Dark Blade, avec ce démon, mais c'est pas le cas, clairement. All things are possible. Je vous présente le chef du clan Ishin. Donc dans la réalité c'est pas vraiment le cas, mais dans le jeu ce sera lui si je comprends bien. Le maître assassin Snitch, comme on dit. Un assassin qui a trois lames, une sur sa queue, une dans chaque main. Voilà. Donc en gros, c'est l'agent principal du Lord Snitch, le seigneur de Deke, du Conseil des Crèzes, et seigneur de la nuit du clan Ishin. Et c'est un assassin qui est le meilleur assassin du monde, de Warhammer. Hein. Tous ceux que vous connaissez jusque là, bah, ils peuvent aller se rhabiller, très clairement. Donc voilà, et au niveau de son équipement, lui, on aura le tourbillon de lame pleureuse, donc ce sont ces trois lames là qu'il doit posséder, et la cape des ombres qui rend quasiment invisible Snitch. Donc ça veut dire qu'il pourrait se déplacer sur tous les territoires, sur tous les terrains, sans pénalité entre guillemets, mais à mon avis il y aura une limite de temps, je pense. Donc il faudra aussi que je vous montre un peu Marius Starkblade. Tiens, je voulais même pas me présenter. Ça c'est pas bien. On va dire que j'ai un parti pris pour des Skaven après. Hein. Alors là c'est les figurines, donc c'est assez vieux. Alors les pages. Donc le Kirfellard, Shadow Blade, la main invisible. Malus Darkblade, le rejeton de Hagrave. Donc avec sa schizophrénie. Il possède l'épée Ward de Ken, donc c'est une des 5 trésors qu'il peut doit retrouver pour se libérer de l'emprise de Tsarkhan. Donc il y a plusieurs. Plusieurs objets pour se libérer de l'emprise de ce démon. Il y avait une amulette, cette, la lame. Je crois qu'il y avait d'autres choses. Arme magique, donc l'épée doit être lancée. Ouais, en gros, ça doit être une arme qui doit taper assez fort, peut-être au niveau du dégât. Donc peut-être un fond d'armure, un truc comme ça, ça pourrait être pas mal, quoi. Enfin voilà. Donc voilà, là il commence à, le démon commence à prendre la santé sur mes arbres, donc après avoir bu cette potion pour l'aider. Donc voilà, donc il y a pas mal de nouvelles unités hein, dans ce DLC, donc on va voir un peu les détails avec le FAQ Total War. Alors, donc on a les deux seigneurs que je vous ai présentés, Malus Darkblade avec Agraef et le maître assassin Snitch pour le clan Ishin. On a les chariots mortels qu'on n'avait pas vu, donc à mon avis ce sont des chariots avec harpon de mémoire. Il faudrait que je retrouve un petit peu l'image. Chariot harpon, et logiquement ce sera anti-large hein, dans l'idée. Donc master du massacre, exécuteur, dompteur sans front, on les a déjà, cavalier noir aussi, les obéluaires, les sorcières on les connaît, les assassins. Tiens, on voit pas de photo de chariot. Je vais remonter au, non j'ai pas dit de sauvegarder. Oh. Alors les chariots ou les chars, donc cruel et sans pitié, suite, ouais. Donc ouais, j'ai pas les photos des chars, c'est dommage. Alors, en gros, ça sera des chars harpons anti large de ce que je vois, avec des trucs assez mal pour les, tout ce qui est monstre, donc trolls, ogres, géants, etc., etc. On a vu aussi les méduses. Donc, donc on va essayer d'en trouver. Hop. Donc on a les obéluaires, les maîtres des monstres, tout ça, ouais. Guerriers des cités sombres, ravageurs du vieux monde, corsaires des archers, on les a déjà, les cavaliers noirs aussi. Les conjurateurs avec, dompteurs de sang-froid, chevalier, char à sang-froid, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. La garde noire, on la connaît bien sûr. Les exécuteurs de Arganet aussi, les sœurs du massacre, les filles de Kane. Donc les chaudrons de sang, donc avec les matriarches, on connaît. Les sanctuaires incarnats, donc ce serait pareil, hein, mais avec des méduses dessus. Et je pense qu'elles peuvent donner des bonus à leurs alliés et des malus à leurs ennemis selon la zone d'influence qui sera concernée. Voilà pour les. Alors ça c'est Morati, ouais, non, personne. Donc voilà pour les elfes noirs. Magie furtive, donc ça va être un nouveau type de mage pour les Skaven, logiquement. Une infanterie secrète avec les espèces de lanciers, machin truc là. Donc les foreurs aussi pour faire des trous dans les murs et tout ça, ça peut être une équipe très pratique et très forte. Et il y a aussi des nouveaux régiments d'élite suite à ces nouvelles unités, ce qui est logique en soi.
Donc le DLC va paraître le 12 décembre 2019, donc d'ici une 13 jours environ. Les deux seront disponibles, la campagne du Vortex et Empire Mortel, ce qui est une bonne nouvelle. Donc voici les 6 nouvelles unités, les chariots, les méduses et les sanctuaires incarnats qu'on parlait. Les triades échines pour les scaven, les mortiers global poison et les équipes de perforation ou les équipes à foreuse, comme je les appelle en français, hein, c'est pas très bien. Alors, des nouvelles mécaniques avec ce DLC, donc Dark Blake devra faire un choix au début. Soit il va concernant sa position de départ, parce qu'au début il sera avec une arche noire à l'autre bout du monde par rapport à la cité de Argraef. Voilà, faut pas que je me plante. Agraef, pardon. Donc soit il va vendre la cité pour un prix assez intéressant, soit il la garde. Ça, lui, je veux dire, et ça va avoir des conséquences sur votre façon de jouer, donc dès le début de la campagne. Ensuite, il faudra pas oublier que Darkblade est possédé par un démon, donc il va devoir soit le contrôler, le contrer, essayer de rester le plus vigilant possible pour éviter que le démon jaillisse. Ou alors, il faudra le faire jaillir à un moment qui est assez critique et ça pourrait donner des bonus de combat, de dégâts en mêlée avec Malus Darkblade qui soit ultra ultra puissant, à quasiment démolir une armée à lui seul. Bon, je ne veux pas exagérer quand même, mais bon. Et à mon avis, ça pourrait donner un système de récompense selon le fait que si on fait en sorte de suivre l'influence du démon, voilà quoi. Donc là d'ailleurs les choix de Sarkhan, ce sont ça qui sont mentionnés. On a des capacités de transformation. Voilà, donc ouais. Apparemment on aura aussi une nouvelle mécanique avec les Skaven, donc les ombres, les offres de l'ombre peut-être. En gros c'est un des meilleurs agents du jeu, voilà, comme je vous le disais. Et en gros, le clan Isshin peut effectuer de nombreux achats de Shadow Ending contre ses rivaux. Ça va être un succès total, mais par contre ça, apparemment il y aura plus de télé pour que les agents réussissent à nouer un succès, quoi. Voilà. Ce qui serait plutôt logique. Ça peut être le vol d'objets, d'argent, de l'espionnage, incitation à la rébellion, voire l'assassinat, bon, ce qui est bien aussi. Hein. Et apparemment, Deathmaster est capable de brûler des villes entières. C'est plutôt étonnant. Apparemment, on a aussi le système de contrat du grand clan. Donc, les dirigeants invisibles du Skaven Dome cherchent toujours à s'affronter au sein du Conseil des 13, ce qui est logique. Apparemment, demander au clan Isshin en cas de problème sérieux de faire le travail. Et ces contrats permettraient au clan Isshin de recevoir de l'argent, de la nourriture et une renommée accrue auprès des communautés. Donc, sûrement des bonus diplomatiques, si je comprends bien. Ainsi que des bonus et des réductions pour les unités spécialisées des grands clans. Donc par exemple si vous aidez le clan Skrir, on a peut-être des bonus des bonus ou des coûts de recrutement réduits pour tout ce qui est roue, Doomwheel, équipe d'armes à feu, etc. D'armes à malpierre, etc. etc. Voilà. Apparemment cette fois-ci il n'y aura pas de mise à jour avec le vieux monde, ce qui est logique en soi, ce qu'ils ont annoncé, ce qui est un peu étonnant, mais bon, on va voir ce qu'ils vont faire avec eux. Mais il y a une petite bonne nouvelle indirectement avec ça, c'est que j'ai lu ailleurs qu'il semblerait que les développeurs auraient retravaillé sur la réduction du temps d'attente du passage des tours sur Mantle Empire. Donc les temps des tours seraient réduits aux alentours de 50 à 60% de ce que j'avais lu, j'ai plus la source exacte. Ce qui est plutôt ça serait plutôt une bonne chose parce qu'il y a déjà pas mal de factions dans le 2 de base, alors le 1 et le 2 combinés, ça va être compliqué. Et si un jour il y a décolle 3 sorts, alors là je vous laisse imaginer la carte que ça va être. Donc là j'espère qu'ils vont bien optimiser leur truc. Je pense qu'ils préparent l'avenir par rapport à ça. Donc le DLC sera rapide, sera disponible comme je vous l'ai dit le 12 novembre. Voilà, voilà. Et apparemment il y aurait un nouveau seigneur bretonnier qui va arriver. C'est une surprise parce que la dernière fois qu'on avait eu le DLC c'était le chasseur et la bête. On avait eu Marcus Wolfhard pour les impériaux et Nakai le vagabond. Et en free DLC on avait eu Gorrok de Ditza. Mais bon, là ça va changer un petit peu, ce qui est plutôt cool. Donc nous avons la seigneur de Bretonnie, Repense de Lyonnaise. On va parler un petit peu d'elle vite fait. Alors, c'était une célèbre paladine bretonienne qui devient plus tard là, une seigneuresse ou une duchesse de Lyonnaise en Bretonnie. En gros, vu la tête, hein, on va dire que c'est une Jeanne d'Arc, hein, très clairement. Donc la coupe à pas la Mireille Mathieu et tout ça, voilà. Donc à mon avis, il y aura des bonus, je ne serais pas étonné qu'elle soit anti-infanterie, un truc comme ça, vu sa puissance, elle sera à cheval. Elle fait clairement penser à Jeanne d'Arc pour deux raisons, l'épée et l'étendard, la fleur de lys. Donc je rappelle que Jeanne d'Arc avait déterré une épée qui aura appartenu à Charlemagne, et l'étendard aussi, qui en fait son blason. Donc on va parler un petit peu de cette femme. En gros, c'était lors d'une invasion du chaos qui a envahi le couronne, donc
Les Bretoniens étaient quasiment battus de chez battus, comme on dit. Ils étaient acculés, donc elle a réussi à rallier les Bretoniens et les chevaliers et à riposter contre la maison du chaos, ce qu'elle a réussi. Et elle a obtenu le duché de Lyonnaise suite à cette victoire contre les forces du chaos. Elle possède trois objets magiques, donc l'épée de Lyonnaise, donc épée magique je pense, la bannière fleur de lys. Alors, donc l'épée, puissante relique de guerre, elle la trouve dans une chair, peut-être des attaques magiques, comme c'est une par rapport en lien avec la dame du lac, donc ça pourrait être logique qu'elle ait des attaques magiques cette épée, ce sera pas étonnant pour ma part. La bannière fleur de lys était un puissant artefact. Il pourrait rediriger le sort d'ennemis sur lui, de toute façon tous ceux qui tentent d'arrêter Lyonnaise. Donc pourquoi pas un contre-sort ou réduire l'efficacité d'un sort qui est lancé en pleine bataille, ça peut être une solution. Hein. Et le halo, c'est une puissante bénédiction. Épée, son armure employée de la lumière, de la rétribution divine. Donc peut-être qu'elle va donner des buffs de protection et de dégâts, cette bénédiction. Après peut-être des malus aux ennemis, ça pourrait être intéressant aussi, pourquoi pas. Voilà, donc franchement, ce DLC il annonce pas mal de bonnes choses. Moi je l'ai déjà pris en avance. Je ferai, sais pas si je ferai une série dessus. Pour le moment, je pense pas. J'ai déjà d'autres projets en tête. J'ai fait le commentaire du DLC comme d'habitude avec mon analyse et tout. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, si vous avez d'autres sources, n'hésitez pas. Hein, voilà, les commentaires sont là pour ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire pour X ou Y raison, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, que ce soit YouTube ou Twitch, n'hésitez pas non plus. Avec la cloche sur YouTube et sur Twitch, n'oubliez pas la petite cloche non plus pour les alertes des lives que je fais essentiellement le week-end. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a aussi le lien Tipeee dans la description de la vidéo. Et voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.